j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui est comme qui fait partie des choix chorégraphiques. On dirait j'ai pas l'impression que ça fait partie de comme la liste des comme trucs esthétiques qu'on va regarder comme si elle en a elle en a plus carré si elle en a pas. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est ouais. Je comprends ça en considération. Ouais. Moi, naturellement, avant un show, je vais faire la job de comme toutes mes clés, toutes mes basées. Mais c'est pas parce qu'on me demande, c'est parce que c'est l'habitude que j'ai. Parce que c'est en show, donc c'est important. C'est intégré dans tout ce que je suis, dans tout. En fait, depuis toujours, c'est ça que je fais. Fait, j'ai jamais re-questionné ça. Quand j'ai commencé à utiliser la cire, là, j'ai comme, oh, attends, je peux passer une semaine, quasiment deux, sans me préoccuper de ça. Waouh! Plus de luxe. Par rapport à ça, je me préoccupe moins de ça. Tu sais, oui, t'sais, comme l'été, je vais m'en préoccuper un peu plus. Mais si, si ça fait trois semaines, quatre semaines que je me suis pas appelée, je pense que je l'assume de plus en plus et que ça me fait un peu moins peur. Une des choses que je me souviens plus, c'est avant même que j'ai du poil sur les jambes ou quoi que ce soit, je me souviens quand je prenais mon bain. avec la mousse plutôt à la fin de mon bain, je me mettais tout le temps comme la mousse partout sur les jambes, puis je prenais un objet, puis je faisais les gestes de comme me robe. Dans le fond, c'était juste comme enlever la mousse de sur mes jambes, excusez-moi ça, mais je faisais vraiment le geste de, tu sais, je veux faire comme maman avant de sortir du bain, c'est important que je le fasse. Quand t'es entouré de gens qui s'assument, ben ça, tu fais comme, ah oh, ben là, c'est pas si grave, moi aussi, ça me dérange pas d'avoir de.